le savez bien, l'année 2021 ne verrait pas le monde s'effondrer. Dans notre pays, dans notre commune, chacun a su déployer son énergie de manière intelligente, en dépit des obstacles. Donnons pour exemple ce que l'on nous dit du côté de l'entreprise. Les entreprises informatiques ont toujours eu la possibilité de travailler, et ce, même pendant le confinement. Cela a permis d'organiser le télétravail pour des entreprises qui n'étaient pas encore structurées pour ça. Cependant, j'ai eu une baisse d'activité, mais une hausse des urgences. Une baisse des activités, en fait, parce que il n'y avait plus de projet. Et une hausse des urgences, parce qu'il a fallu gérer le télétravail et accompagner les entreprises dans ce sens-là. Il y en a même qui viennent d'ailleurs pour trouver leur bonheur chez nous, c'est dire. Donc ça fait 25 ans que j'ai passé dans la restauration traditionnelle. Et au bout de 25 ans, là, ça fait maintenant 2 ans que je me suis mis à mon propre compte. Et je fais les marchés avec mon camion, voilà. Alors en fait, j'ai fait l'été dernier les jeudines en musique à Colleyrac. Et nous avions eu un bon feeling avec la clientèle et des bons retours. En sachant qu'au jeudine en musique, on ne faisait que des salades. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons fait une demande pour venir sur Colleyrac. Du côté des associations, dur, d'accord, mais certaines ont quand même rebondi avec détermination, comme par exemple les Amis de Saint-Cyr. Aujourd'hui, donc, c'est notre vide-grenier annuel. On a pu faire un vide-grenier à peu près normal, je veux dire, sans passe sanitaire surtout. Donc, par contre, on ne peut pas faire de repas à tabler comme on le fait d'habitude, ce qui pénalise un petit peu les gens parce qu'ils aimaient bien venir et manger et rester sur place. Parce qu'on a eu pas mal de réservations, on était complet pratiquement des 8 jours avant. Puis ce matin, depuis à peu près 10 heures, là, ça n'a pas arrêté. Même au niveau de la restauration que l'on fait à emporter, ça marche pas mal. Beaucoup de dynamisme aussi chez nos sportifs, et nous les connaissons assez pour que cela ne nous étonne en rien. Comme par exemple au football. L'avenir du CFC s'inscrit dans une fusion avec nos amis du FCPF, Fouleron, Pont-du-Casse. Le pourquoi ? Parce que nous avons constaté qu'en fait, il y avait un exode massif de nos enfants vers Agen et vers Beauvais. Après avoir fait une de leur formation de 6 à 12, 13 ans, ces enfants se retrouvaient à Jean. Afin de permettre à ces enfants de continuer à évoluer avec nous, nous avons pensé qu'il fallait une équipe dans chaque catégorie, ce qui permettrait effectivement à ces gamins de rester chez nous. Et pourquoi pas, dans quelques années, voir les gamins qu'on a formés à partir des 6, 7 ans dans une équipe première, composer l'équipe première. Nous avons des infrastructures qui sont neuves, extrêmement bien entretenues, avec des beaux terrains qui sont entretenus par les services techniques de la commune, que je remercie parce que c'est un travail quasi quotidien à partir du printemps et jusqu'à l'automne. Nous venons de reconstruire le clubhouse du foot qui est tout à fait neuf et que nous pourrons inaugurer d'ici quelques semaines. Ce clubhouse, je vous le rappelle, avait été incendié criminellement par des gens qu'on ne connaît pas. Et donc les Colleyracaises et les Colleyracais ont dû, avec leurs impôts, participer à la reconstruction de cet édifice. Voilà, écoutez, encore une fois, je souhaite longue vie à cette entente et nous allons maintenant participer à l'Assemblée Générale. Merci. Chaque année,
le FCPA maintenant, nouvellement appelé Football Club Porte d'Aquitaine, avec un regroupement de trois clubs qui sont Pont-du-Casse, Fouleyron et Colérac, organise donc les tournois de pré-rentrée pour des catégories U10-U11 et U12-U13. C'est l'occasion que les enfants se retrouvent avant de démarrer leur championnat, l'occasion pour les éducateurs également de découvrir leur groupe, de mettre en place des nouvelles tactiques de jeu, de passer un bon moment avec les enfants. Et surtout, c'est un tournoi qui, ça, j'y tiens beaucoup. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de récompense. Pour éviter de la frustration au niveau des enfants, et que vraiment, vraiment, ça soit prendre du plaisir, être ensemble, écouter les consignes des éducateurs, progresser sans se mettre la pression de « je suis deuxième, je suis premier, j'ai gagné, j'ai perdu ». Voilà l'idée générale, c'est vraiment une journée plus pédagogique que compétitive. Pareil au tennis qui a enfin pu inaugurer cet été son nouveau et splendide court. Nous sommes très heureux ici de vous voir au Tennis Club pour enfin inaugurer ce nouveau terrain de tennis. Le nouveau court, le court numéro 3, le court Michel Ranoux. Donc il y a 4 ans, en 2018, notre précédente présidente, Sandy Gamblin, elle a entamé les démarches pour rénover ce terrain. Pour celles et ceux qui s'en rappellent, c'était un terrain en espèce de gazon synthétique qui était très bien sur les débuts, mais 30 ans après, il était un peu fané, avec de faux rebonds, c'était un peu compliqué de jouer. Donc du coup, Sandy a décidé de faire la rénovation, de lancer les démarches administratives pour une rénovation. Il en avait grand besoin. 2 années de travail ont été nécessaires pour parvenir à cette magnifique réalisation. Je remercie évidemment, et surtout la municipalité qui, d'année en année, a un soutien indéfectible sur leur soutien financier et même dans toutes les idées qu'on peut leur proposer. Parfois, ils font des gros yeux en se disant « mais qu'est-ce qu'ils vont chercher encore ?» Et puis tout compte fait, ils font confiance, ils nous donnent le feu vert pour beaucoup de choses. Et puis on arrive à faire de magnifiques épreuves ici. Donc c'est un grand merci et un merci sincère à la mairie. Les enfants de l'école de tennis pourront prendre des leçons sur cette nouvelle surface. Les amateurs de tennis loisirs sont assurés de pouvoir pratiquer leur sport dans un plus grand confort parce que c'est un béton poreux qui est très souple et donc du coup c'est très agréable, la balle ne va pas trop vite, c'est vraiment très très agréable. Donc ça plus la terre battue, on peut vraiment accueillir les seniors aussi et c'est une bonne nouvelle. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour les 50 ans du club. Et à cette occasion, on remerciera l'ensemble des acteurs qui ont pu construire le club. Les rugbymen, eux aussi, avec leur fougue et leur dynamisme, ne nous ont ni déçus ni surpris. L'état du club, aujourd'hui, nous reprenons, c'est le premier match à la maison. Nous accueillons notre voisin La Roque. Après, je dirais, 2 années très difficiles puisque par rapport au Covid. Et j'espère que ce Covid va nous laisser tranquilles pendant... Mais maintenant, j'espère que c'est terminé. Et donc nous reprenons ce soir, samedi soir, nous jouons contre La Roque. Et puis nous avons invité tous les anciens du club pour faire rendre un hommage à des anciens qui nous ont quittés au cours de cette année. C'est M. Christian Burgo qui était l'un des fondateurs du club. Coco Boutin qui était un dirigeant qui est décédé au mois de mai, qui est décédé du Covid. Et Patrick Leconi, qui est un ancien du club, qui a fait toute sa carrière à Colérac, qui a été joueur, qui a été dirigeant, qui a été aussi parmi les anciens du club. Et voilà, ce soir, nous sommes là pour rendre hommage à ces 3 anciens. À eux et au nom de tout le club, nous vous demandons de respecter
une minute d'applaudissement au coup de sifflet de l'arbitre en leur mémoire. Merci. En fait, à Colérac-Saint-Cyr, personne n'a déçu car tout le monde veut que la vie continue et surtout faire un été encore de splendides soirées gastronomiques, musicales et festives au Théâtre de Verdure. C'est une belle histoire cette année encore et là aussi tout le monde est d'accord. Vous voyez derrière moi un magnifique visuel qui sera donc placé chaque soir, chaque jeudi en soirée. Et qui permettra donc, quand on prendra des photos, de savoir que les orchestres qui animent la soirée sont présents à Colérac-Saint-Cyr, aux Jeudines de Garonne. Il était temps que ça reprenne et je suis vraiment, vraiment très contente d'être ici. Parce que Colérac-Saint-Cyr a un super marché avec une très, très bonne programmation musicale, une belle organisation générale. Le site est magnifique, donc voilà, très, très contente d'être ici. On est ravis de travailler à Colérac, au marché gourmand. C'est la deuxième saison. On remercie la confiance de la mairie. On participe tous les jeudis à ce marché de Colérac, qui est un très très beau marché avec une très belle ambiance, des concerts qui sont organisés tous les jeudis. Donc voilà, on est très heureux et merci à la mairie encore d'organiser ce type d'événement. Ça fait la deuxième année que je participe au Jeudine. Je remercie la municipalité pour toute l'organisation et de cet événement. Nous nous occupons d'organiser un petit peu les jeudines en parallèle avec la mairie de Colérac-Saint-Cyr. Et notre tâche, c'est de nous occuper de la logistique, on va dire, et d'organiser les quatre associations qui gèrent la buvette, afin qu'elles tirent le maximum de bénéfices. Donc c'est pour les quatre associations sportives. Hein, donc c'est ça pour nos jeunes colérakais, nos jeunes sportifs colérakais, que l'on fait tout ça. C'est donc 9 soirées qui sont organisées pour les jeudis. Donc 9 soirées qui demandent un investissement de la part de Culture Fête, de la part de tous les bénévoles qui sont présents ce soir. Donc effectivement, à la place d'être soit à la plage ou à la montagne, nous on est là, on est présents sur le site, afin que les convives soient les plus satisfaits possibles. Et que les associations puissent retirer le maximum de bénéfices. Allez, on se fait un petit plaisir en écoutant notre idole locale, notre Guillaume Parma, toujours fidèle au rendez-vous. Enfin, à l'heure des contes, c'est une histoire qui finit bien. Bonsoir à tous. Donc ce soir, à l'issue du conseil municipal, où nous avons fait le bilan des jeudines 2021. Donc chaque soirée, nous avons eu entre 400 et 500 personnes. Avant, malheureusement, le pass sanitaire donc, qui a réduit de 50% le nombre de personnes pour chaque soirée. C'est avec une réelle joie que nous avons remis un chèque d'une valeur de 1 780 euros
pour chaque association sportive qui ont contribué à la tenue des buvettes donc de ces soirées, donc notamment le foot, le basket, le tennis et le rugby de Colérac Saint-Cyr. Rendez-vous donc cet été encore en 2022 pour les Jeudines de Garonne. Mais nous avons une autre très belle histoire à vous raconter pour cette année 2021 et elle nous vient de nos chers adolescents coléraquais, les formidables jeunes de notre commune. Je suis ado au centre de Colérac depuis maintenant un an et demi à peu près. Et aujourd'hui, nous avons interviewé Monsieur le maire dans le cadre d'un projet avec le Florida. Un projet qu'on a mis en place avec le Florida pour faire découvrir à plein de jeunes dans l'agglo le monde de la radio, l'univers de la radio, pas seulement en regardant, mais en faisant, en pratiquant des interviews, des émissions. J'étais très heureux de recevoir ces trois jeunes donc, du centre de loisirs, la LSH de Colérac Saint-Cyr, avec leur animatrice et leur animateur. Nous avons choisi Monsieur le maire car c'est une personne importante au sein de la commune, en tant que personne et en tant que fonction. Nous avons demandé nous pouvions monter un projet pour agrandir notre espace ado, en avoir un propre à nous. Oui, j'ai bien noté qu'ils m'ont fait une demande en fin d'entretien sur un espace qui leur serait propre au niveau du centre de loisirs. Donc je leur ai demandé de travailler sur ce projet et de me soumettre donc une proposition. Et on va l'étudier sérieusement en bureau municipal. Donc notre proposition a été acceptée et du coup il y a 15 jours on a démarré un chantier citoyen avec tout notre groupe ado. On a rénové notre local, on a nettoyé de fond en comble, refait les peintures, changé et repeint les volets et bien sûr on a aménagé notre endroit. Le presbytère est resté fermé pendant plusieurs années. Donc nous avons décidé en bureau du conseil municipal de leur prêter ce local. Et comme ce local était vide depuis longtemps, n'était pas en très bon état, le jardin était en friche, ils ont formidablement bien travaillé sous la houlette bien évidemment de Eric Novoa, qu'on ne présente plus, le directeur de notre centre de loisirs, et de mes deux collègues, Frédéric Dujardin et Raoul Roudet, qui ont non seulement coordonné les travaux, mais mis la main à la pâte. Je suis content d'avoir participé à cet événement, on peut dire ça. L'ouverture du local, la rénovation, j'ai appris. J'ai beaucoup appris, j'ai fait des connaissances et c'est ça qui m'a plu dans ces semaines ou les jours que j'ai pu venir. Ce local, on va l'utiliser comme salle de réunion pour se retrouver, notamment les mardis après-midi. Les mardis après-midi, on se réunit pour préparer les voyages qui doivent avoir lieu en avril. Mais après, on a envisagé d'aménager le jardin. Moi, j'avoue que j'ai été impressionné par leur courage, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très agréables à faire, hein, un peu régoûtantes même. Et ils n'ont jamais baissé les bras, ils ont toujours répondu présent. Donc d'abord, je les félicite, franchement. Ils ont un seul défaut, ils écoutent une musique qui est absolument inaudible à nos oreilles. Voilà. Mais on a passé deux bonnes semaines très positives avec eux. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien de voir des jeunes gens qui se prennent en main et qui décident que se retrousser les manches, c'est le meilleur moyen d'obtenir ce qu'ils désirent. Donc avec notre jardin, on a la chance d'avoir un accès pour aller directement au bord de la Garonne. Bon, même si c'est pas la mer, on peut quand même s'y détendre et profiter du bord de l'eau. Pendant ce temps, nos autres jeunes, nos petits,
n'ont pas été délaissés pour autant et se sont bien occupés et divertis durant leur temps libre au centre aéré. Centre de Colérac Saint-Cyr, à l'occasion des Jeux Olympiques qui se tiennent actuellement à Tokyo, nous avons décidé d'en faire le thème de ce spectacle. Je vous demande donc de faire comme lors de la cérémonie d'ouverture et d'accueillir bien fort les drapeaux ainsi que leurs porteurs. Et comme le veut la tradition aux Jeux Olympiques, c'est la Grèce qui ouvre le bal. Donc aujourd'hui on se retrouve à l'école René Cassin pour une journée spéciale Mario Kart. Donc aujourd'hui il y a les 3-6 qui sont venus rendre visite aux grands, les 7-13 plus les ados qui aident avec les animateurs à mettre la journée en place. Donc durant 2 semaines on a fait un thème sur Mario Kart, le jeu de voiture. Donc aujourd'hui le but de cette journée c'est de faire plein d'activités avec différentes équipes, avec les noms des joueurs de Mario Kart. Et le final, en fait, c'est, on a construit des cartes en carton, et le final serait de faire une course Mario Kart avec les super pouvoirs, les bananes, les carapaces, etc. pour faire une grande course finale avec une récompense à la fin. Alors comment ça se termine du côté des ados ? Eh bien voilà. Vous venez d'assister à notre première assemblée en tant qu'association officielle. Donc porte le nom de EJC, donc Espace Jeunes Colérac Saint-Cyr. Je pense que j'ai été choisi président parce que je suis l'un des plus âgés du groupe. Ça me touche énormément quand même parce que ça fait déjà quelques années que je fais partie de l'ASH. C'est vraiment un honneur et ça me touche particulièrement que Laurie et Eric me fassent confiance. Mais aussi d'avoir le soutien de tous mes camarades, de tous mes amis. Ça me fait énormément plaisir et je les remercie de tout leur soutien. Et j'espère pouvoir combler leurs attentes. Bah écoutez, moi je suis personnellement très heureux et mon conseil municipal l'est aussi, ainsi que mes adjoints. Il y en a plusieurs qui sont là ce soir. Il ne faut pas que j'oublie de remercier l'Association d'éducation populaire des Francas. Mais surtout, mais ça je n'aurais pas oublié de le faire, remercier toute l'équipe de la LSH et avec à sa tête bien évidemment Eric Novoy, qui est l'architecte et l'artisan et la petite main et le cerveau et le grand esprit de tout cela. Et sans lui, effectivement, rien de tout cela n'aurait existé. Donc je souhaite le remercier et je vous propose qu'on l'applaudisse très fort. Comme premier projet, on a pour partir à Paris ainsi qu'à Disneyland pour visiter la ville, inconnue pour certains, visiter notre patrimoine français, mais aussi un but ludique, donc notamment un peu quand même s'amuser avec des attractions comme Disney, qui peut être très enrichissant pour nous. Je pense aussi que les élus vieillissent, je pense aux élus colérakais, élu, et je pense que ben, si ça vous intéresse, il fera aussi peut-être vous intéresser à la vie municipale. C'est un essai là que vous êtes en train de tenter, que vous allez réussir, et d'ici quelques années, on aura besoin de vous pour nous succéder. Voilà, et tenir les rênes de cette belle commune. Alors le maire, durant cette assemblée, nous a demandé si nous allons
faire partir de cette municipalité, peut-être rejoindre Laurent de Maire. Alors pour moi, nous verrons bien si je reste dans le coin. Et si je suis dans le coin, ce sera un honneur de pouvoir représenter ma commune dans l'agglomération, dans le département. Bon, alors, vous le constatez, pas de morosité à Colérac-Saint-Cyr. D'ailleurs, je vous propose un petit plaisir, un bon souvenir, encore un, avec encore un extrait d'une de nos belles soirées d'été au bord de Garonne. Allez, on va pouvoir tous bouger. Car oui, comme le dit la chanson, nous survivrons. Et sans oublier notre tradition annuelle avec la devise de notre commune, ce que l'homo li donne, la terra sai li turno. Broken heart.